Il me fallait un espace de travail pour rencontrer les tziganes. Et quand j'ai fait Nos Passaranes, album souvenir, il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur les camps d'internement des républicains espagnols en France, à la fin de la guerre d'Espagne, en 1939. Et là, je me suis rendu compte que dans ces camps d'internement avaient aussi été enfermés les tziganes. Pas dans tous les camps, hein. Donc chaque camp est une situation particulière, avec une histoire particulière, mais je me suis rendu compte que cet internement des républicains espagnols avait croisé aussi l'internement des tziganes. Et j'ai commencé à ce moment-là à m'y intéresser, et en même temps je voyais bien que je ne pouvais pas parler de tout dans un seul film, et que le film qui parlait de l'internement des républicains espagnols, eh bien, il parlerait que de cet internement-là, et que peut-être à un moment, je pourrais revenir sur cette question de l'internement et m'approcher des tziganes. Et après, il y a eu une suite de hasards comme ça, que je raconte un peu au début du film, hein, cette visite conférence du camp de Jargeau, dont j'avais jamais entendu parler. Et donc j'y suis allé, et le jour même, j'ai compris que j'allais faire ce film. Bien, l'idée, c'est toujours de voir si je vais pouvoir faire des rencontres et si à un moment, je vais pouvoir faire le film avec des personnages. Hein, c'est-à-dire si mon désir de rencontre, mon désir de travailler sur un sujet va rencontrer le désir d'autres personnages qui vont se mettre à travailler avec moi. Donc moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne pour un film. Donc je commence comme ça avec un début d'histoire. Et je vais voir les gens en disant « j'aimerais faire un film sur l'internement des tziganes » et je vois ce que ça suscite en eux comme désir, comme envie de m'associer à leur projet, comme cheminement. Et d'une certaine façon, c'est eux qui m'embarquent. Qu'on soit rom, qu'on soit gitane, qu'on soit ce qu'on veut, on fait partie quand même tous de la même communauté. Il faut pas beaucoup parler quand on fait du cinéma documentaire, je crois. Je crois qu'il faut être dans une sorte d'écoute attentive, comme ça. Même quand on attend quelque chose, qu'on a envie que ça arrive, il ne faut pas trop le dire. Il ne faut pas trop dire « tiens, j'aimerais qu'on parle de ça ». Alors on peut le dire un peu dans des moments comme ça, de repos, où on parle avec les personnages, et il faut attendre que ça vienne tout seul après. Donc je suis dans une écoute comme ça. Oui, dans l'écrit. Ouais, c'est l'écriture, c'est le moment de construction des hypothèses du film, hein, comme un scénario pour un film de fiction. On imagine ce que ça pourrait raconter, quelle pourrait être la séquence suivante, comment ça pourrait s'enchaîner, comment tel personnage pourrait m'amener à tel lieu ou à tel autre, etc. Donc tout ça, ça s'écrit. Et en même temps, c'est pas un scénario au sens où après avoir été écrit, ça n'a pas vocation à être réalisé. C'est-à-dire que je ne vais pas dire après au personnage « alors voilà, aujourd'hui on va faire ça, aujourd'hui le programme c'est ça ». Il n'y a pas de programme, il y a des désirs de mon côté qui sont pratiquement des fantasmes d'écriture, hein, des fantasmes de récit, de narration. Mais ces fantasmes permettent juste de reconnaître ce qui m'intéresse au moment où ça se dessine. C'est-à-dire au moment où il y a une proposition, au moment où on me dit « tiens, demain il se passe quelque chose », etc. Alors je me rends disponible parce que je sais que c'est ça qui m'intéresse. Bah, l'écriture, c'est dans un carnet, hein, très concrètement, tout seul, en général au café, le matin. Avant d'aller tourner, avant de rencontrer les gens, c'est une manière de faire le point sur ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre, ce qui s'est passé la veille, où est-ce que ça m'a emmené, est-ce qu'on a fait ce que j'avais envie qu'on fasse, secrètement je souhaitais qu'on fasse, ou est-ce qu'il y a un personnage nouveau qui est apparu, par exemple, dans les rencontres. Et toutes ces choses un peu aléatoires, comme ça, qui se passent au cours du tournage, il faut les décortiquer un peu tout seul dans son carnet, comme ça, il faut prendre le temps de comprendre
de quoi elles peuvent être le signe, vers où elles peuvent m'emmener, tel personnage, essayer de voir comment il peut devenir un vrai personnage et pas simplement quelqu'un qu'on a croisé. C'est-à-dire trouver dans l'écriture une sorte de ressort pour recontacter les gens, revenir vers eux avec une proposition qui ne soit pas trop malhabile, mais qui soit axée sur leur désir à eux également, et pas seulement sur le mien, par exemple. On est en train de former nos gamins à comprendre qu'on a un patrimoine, on a une histoire, on a l'histoire très très importante, on a l'histoire et on a une culture. C'est pas une histoire très sophistiquée, c'est finalement une histoire très simple, mais pour arriver à cette histoire simple, il a fallu se rencontrer, il a fallu apprendre à se connaître, il a fallu que moi je sois disponible et que eux comprennent que j'étais disponible pour qu'eux se disent « tiens, je peux l'emmener sur mon terrain ». C'est pas un journaliste, c'est pas un reporter, il n'est pas pressé, il n'a pas d'idées préconçues, il est là pour qu'on fasse quelque chose ensemble, donc qu'est-ce que je peux raconter de ma vie ? Pour moi, le moment où un personnage devient vraiment un personnage, c'est le moment où il prend en charge le récit avec cette question « qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans son film, qui devient notre film ?» Et à partir du moment où le personnage se dit « bon, mais qu'est-ce qu'on va raconter dans ce film ?» Eh bien, là, on est quasiment co-auteur, quoi. Hein, là, et moi, je suis complètement à l'écoute de ces propositions, dont souvent, certaines propositions, j'aurais pas pu les proposer moi-même. Hein, c'est-à-dire que moi-même, peut-être, j'aurais pu, à partir de mes recherches, entre guillemets, proposer qu'on aille sur les lieux de l'internement, proposer qu'on aille sur les lieux des pèlerinages gitans, sur les... des choses finalement assez convenues. Et tout à coup, le personnage, lui, décide que ce qui est important dans ce film, c'est l'histoire de son fils qui faisait de la musique quand il était jeune, quand il était enfant, et de m'amener voir ce fils qui aujourd'hui a un studio de musique, est devenu mixeur, vit complètement ce métier passion de la musique. Et là, ce que me raconte le fils, c'est que il s'est formé en suivant son père quand il était enfant, qu'il allait partout avec lui, et tout à coup, il y a quelque chose là qui m'intéresse, c'est quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'éducation, de comment ces familles gitanes accueillent les jeunes, ne les envoient pas à l'école souvent, mais les emmènent avec eux et leur transmettent quelque chose de l'ordre du désir et quelque chose de l'ordre du métier, au sens le plus noble du terme. Hein, tout ça, voilà, c'est son fils qui en atteste. Et moi, je ne pouvais pas l'imaginer, ça. Donc, je crois qu'à un moment, c'est Thierry qui se dit, mais voilà, je vais l'amener voir Michael, et en voyant Michael, il va comprendre comment on vit. Il va comprendre quelles seront nos valeurs, etc. L'envie de se lancer dans une aventure et de vivre cette aventure à ma manière, quoi. Et à ma manière, ça veut dire partir sans savoir quand je vais revenir, me laisser entraîner par les gens, me laisser guider, suivre les choses de manière instinctive et peut-être aussi faire le cadre et le son tout seul. Ça me plaît, je suis dans une espèce de tension à la fois de l'écoute et en même temps de la technique, puisque il faut, pour faire une séquence d'un documentaire, il faut à la fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, de fort, et en même temps il faut être capable de l'enregistrer, et donc ça crée une espèce de double tension, à la fois la tension de la relation humaine et de l'échange, et en même temps cette tension technique de trouver le cadre, trouver le dispositif, se mettre à l'abri des parasites sonores, se inventer un cadre, enfin faire du cinéma, quoi. Car j'aime la simplicité, j'aime ne pas avoir 36 outils, j'aime que la caméra enregistre le son elle-même, je ne double pas le son avec un enregistreur numérique pour resynchroniser après, etc. Je préfère prendre le risque d'un son qui ne sera pas
peut-être pas optimale hein, en termes des oreilles d'un ingénieur du son, mais c'est le son que moi j'ai pu prendre à ce moment-là. Et très souvent, il est raccord avec la séquence que j'ai prise. Il y a quelque chose d'homogène entre l'histoire que je raconte et la pauvreté, entre guillemets, de ce dispositif. Dans pauvreté, j'entends simplicité, et dans simplicité, bien, j'entends naturel, j'entends tourner le dos à la surenchère technologique, avoir des outils à sa portée. Toutes ces choses qui sont un peu presque un moment de résistance par rapport à une surenchère technologique, une pression quasiment sociale qui est faite sur les jeunes documentaristes, avec l'idée que si on n'a pas la dernière caméra, on n'est pas sérieux, etc. Moi, j'ai la dernière caméra d'il y a 25 ans et ça me va bien, quoi.